Bonjour à tous, nous revoici cette semaine avec un retour de course une fois de plus 100% Picard. Donc je vous montre ce que j'ai acheté. Donc pour le petit déjeuner cette semaine, il y aura donc les baguettes classiques et les baguettes aux céréales. Ensuite pour le repas du midi, donc poireaux en rondelles avec bouchée de poulet tikka ou filet de poulet rôti tout simplement, donc que je ferai avec les féculents qui me restent de la semaine dernière, puisque j'ai pas tout mangé, il me reste les lentilles et les pois chiches. Ensuite, cette semaine, le soir, je mangerai donc les légumes pour potage avec soit les dos de cabillaud façon fish and chips, soit les filets de merlan panier croustillante. Voilà. Donc pour le goûter, je me suis fait vraiment plaisir cette semaine parce qu'avec ce couvre-feu à 18h là, je me dis, le moral commence à baisser, donc j'ai trouvé un moyen de, de garder le moral au top, même si bon, il ne faut pas trop compenser les sautes d'humeur avec la nourriture, mais là franchement, ce couvre-feu à 18h, c'est vraiment trop chiant, donc j'ai choisi quand même de me faire plaisir. Donc j'ai prévu du fondant au chocolat, les cheesecakes, parce que franchement c'est trop bon, donc j'en ai repris, ils sont toujours en promo. Ensuite, un flan pâtissier et de la brioche façon pain perdu, donc j'ai jamais testé ça, donc je vais découvrir. Ensuite j'ai repris du mac and cheese, donc j'en ai pris deux hein, mais je vais pas manger les deux cette semaine, je pense que je vais garder pour la semaine prochaine parce que je vais pas faire mes courses Capicard tout le mois quand même, je vais essayer de changer la prochaine fois. Et j'ai également pris l'aligot de l'Aubrac que je vais manger, je ne sais pas si c'est cette semaine ou celle d'après, on verra bien. Voilà. Donc aujourd'hui j'en ai eu pour 55,33€, ça reste dans les mêmes eaux que la semaine dernière, donc je vous montre ça, voilà, donc les réductions d'aujourd'hui c'était sur les légumes potages, donc 8 centimes, ensuite j'ai eu sur les rondelles de poireaux 10 centimes, les cheesecakes 19 centimes, sur les bouchées tikka 28 centimes et je crois que c'est tout. Donc en tout ça fait 87 centimes de réduction, donc bon c'est raisonnable, c'est pas excessif non plus. Et voilà, donc ça c'est pour la semaine, donc je n'ai rien pris pour le chat ni pour la maison parce que j'ai du stock. Mais à partir de la semaine prochaine, il va falloir que je retourne faire les vraies courses, c'est-à-dire en plus de l'alimentaire, parce que je n'aurai plus rien. Enfin, plus rien, en tout cas pour le chat. Et pour la maison, ben, je pense que j'ai du stock, mais je ferai un point. Voilà, donc ça, c'est les courses alimentaires. Donc pour la deuxième semaine du 100% Picard, ça ne sera pas comme ça tout le temps. C'est juste pour m'organiser correctement. Parce que comme je vous dis, avec ces histoires d'heures de couvre-feu, c'est compliqué. Donc voilà, plein de bisous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, de partager et de vous abonner. À bientôt !